Bonjour et bienvenue sur Copywriting Facile. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous prévenir un peu, vous faire part d'une déception. C'est-à-dire que, en fait, trop souvent, je rencontre des entrepreneurs qui rédigent leurs documents de vente à la va-vite, c'est-à-dire ils prennent modèle sur un email ou une sorte de texte à trous et sans forcément chercher à apporter de l'énergie, de la compréhension, de la valeur à leurs prospects, ils copient-collent leur email et ils l'envoient, pareil pour leurs documents de vente, que ce soit pour des scripts de vidéos de vente et des pages de vente au format texte. Et du coup, après, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas les résultats, c'est-à-dire pourquoi ils ne font pas de vente. Et du coup, ce qui me déçoit vraiment, ce qui m'énerve un petit peu, c'est le fait de se dire que un document de vente, c'est juste un assemblage de mots, d'éléments à copier-coller et qu'il n'y a rien de plus. Posez-vous simplement la question, si vous allez chez le pâtissier, votre pâtissier, qui fait des gâteaux de qualité, à votre avis, comment il fait? Est-ce qu'il fait son gâteau à la va-vite, prenant tous les ingrédients, en mettant tout le plus vite possible? Et derrière, quel est le goût? C'est-à-dire, c'est comme si vous allez à la pâtisserie chez Lidl, quoi, où il suffit de, entre guillemets, ça doit être de réchauffer un gâteau congelé, donc forcément, ça a un goût différent. Alors que le pâtissier qui fait du travail de qualité, c'est-à-dire il prend le temps de choisir ses ingrédients, il prend le temps de les assembler, il y met beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, et à la fin vous obtenez un gâteau qui a tombé, quoi. Il a un goût de dingue, il est délicieux, c'est hallucinant, quoi. Et vos documents de vente, c'est vraiment pareil, en fonction de l'énergie, du cœur que vous allez y mettre, des recherches que vous allez faire, forcément, les mots que vous allez utiliser, les images que vous allez utiliser, les métaphores, les histoires que vous allez intégrer dedans vont être totalement différentes que de copier-coller un modèle que vous avez vu ou de recopier un texte de vidéo de vente en 5 minutes et vous dire votre document de vente est prêt. Non, ça ne marche pas comme ça. La rédaction publicitaire, le pouvoir des mots ne marche pas comme ça. Si vous faites un simple copier-coller, vous aurez des résultats plutôt décevants, quoi. Même très décevants. Le tout est dans la recherche. Je vous expliquais dans les dernières vidéos, oui, vous pouvez vous inspirer d'emails à succès, de scripts de vente à succès, de documents de vente, de vidéos de vente à succès. Vous inspirez. Le truc, quand je dis vous inspirer, c'est retrouver les idées. Donc, y a la vidéo qui est sur la chaîne Copywriting Facile, je vous inviterai à aller la voir. C'est vous inspirer des idées et les adapter à votre activité, à votre produit, à votre service. C'est tellement important. Le copier-coller à la va-vite, oui, vous aurez des résultats, ce ne sera pas pérenne. Et de toute façon, votre lecteur, votre prospect qualifié, il va le sentir. Ça se sent quand il y a de l'énergie et de l'enthousiasme qui est ajouté dans un document de vente. Le prospect le ressent. Donc oui, inspirez-vous de mailing de vente à succès, de vidéos de vente à succès, de documents de vente à succès pour en extraire les idées et les adapter à votre produit, à votre service. C'est comme ça que vous allez faire une vraie différence. Comme le pâtissier, il s'inspire d'autres gâteaux qui ont été déjà faits, il s'inspire de recettes qu'il a trouvées peut-être sur internet, je ne sais pas où. Il s'inspire de recettes de ses mentors, de ses formateurs. Mais il comprend l'idée qu'il y a derrière l'assemblage de tel aliment avec tel aliment. Pourquoi il y a des fraises avec du chocolat, de la poire avec du chocolat et pas du caramel avec du chocolat ou je ne sais pas, je ne suis pas pâtissier en tout cas. Il trouve les idées, le pourquoi du comment et il adapte la recette qu'il a trouvée au gâteau qu'il veut créer pour ses clients, au type de sensation, de goût qu'il souhaite faire ressentir à ses clients. Et vos documents de vente, c'est exactement la même chose. Vous allez prendre des idées, les adapter en fonction de votre produit et votre service pour montrer le trésor, la promesse de votre produit ou votre service du point de vue de vos prospects qualifiés.
Donc aujourd'hui, voilà, c'était pour vous dire, si vous le faites comme certains autres entrepreneurs ou certaines autres équipes, des copier-coller rapides en vous disant, bah ça y est, en 10 minutes, mon document de vente, il est prêt, ma séquence email de vente, elle est prête, mais je comprends pas pourquoi elle marche pas, je n'ai pas de résultat, bah c'est normal. Votre lecteur, votre prospect qualifié, il le sent, il sent l'énergie qui a été mise derrière les mots que vous utilisez. Les mots, le pouvoir des mots, c'est ça qui est énorme, c'est que ça transmet une énergie, un enthousiasme, une envie, ça va transmettre la carte au trésor à vos prospects qualifiés. Donc, j'ai fait énormément, il doit y avoir pas loin de 80 vidéos gratuites sur copywriting facile pour vous donner un élément à chaque fois. Donc aujourd'hui, l'élément, c'est stop au copier-coller, inspirez-vous des idées, d'accord. Et avant tout, un document de vente, c'est de la recherche de faits, de preuves, d'histoires et d'amener votre prospect qualifié dans une aventure, dans une histoire, dans une chasse au trésor. Et à la fin, le trésor, c'est la promesse apportée par votre produit ou votre service. Et votre produit ou votre service, c'est la clé qui ouvre justement le coffre au trésor. C'est votre produit ou votre service. Il permet à votre prospect de changer sa situation, de résoudre son problème et d'obtenir son trésor. Donc, aujourd'hui, l'action, elle est très simple. C'est stop au copier-coller, stop à la création des documents de vente en 5 minutes. Ça n'existe pas. Même les meilleurs copywriters que je connais et dont j'ai suivi les cours ne rédigent pas une lettre de vente, un mailing en 5 minutes. C'était pas possible. Il y a un travail de recherche derrière, d'assemblage d'idées, d'adaptation d'idées. Oui, ils lisent des documents de vente inspirants, des séquences email inspirantes. Ils prennent les idées et ils les adaptent aux produits ou aux services pour lesquels les produits ou services qu'ils vendent. Donc, à vous de jouer. Si vous voulez réellement aller beaucoup plus loin pour utiliser le pouvoir des mots, le mettre en œuvre dans votre entreprise et amener vos prospects à découvrir le trésor caché derrière vos produits et vos services, pour cela, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous accéderez également à la machine à convertir qui va vous simplifier, c'est-à-dire elle va vous donner plusieurs idées pour vos emails, vos documents de vente, pour vos vidéos de vente. Et après, bien évidemment, ce sera avec ces idées que vous allez recevoir, à vous de, en répondant à quelques simples questions, d'ajouter votre énergie, votre enthousiasme, le trésor caché derrière votre produit. La machine à convertir, elle va vous aider à faire cela beaucoup plus facilement. Elle va vous guider pas à pas. C'est comme si vous aviez un copywriter qui vous guide pas à pas dans la création de vos documents de vente. Donc, je me situe toujours au parc du Crapaud. La lumière est magnifique. C'est très, très agréable ici. C'est vraiment sympa. Donc, si vous voulez essayer la machine à convertir dès qu'elle est prête, elle est en cours de finalisation. Il suffit pour cela de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous ferez ainsi partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc, je vous retrouve dans cette liste-là et vous recevrez vos premiers conseils pour mettre en place le pouvoir des mots et faire découvrir le trésor caché derrière vos produits et vos services à vos prospects. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut !